Bonjour tout le monde. Allez, là, je vais vous présenter un tuto de Scraplease. Elle avait intitulé mini-album minimaliste. On peut y ranger. Ah ben, j'ai pas marqué combien de photos. Bon, on va les compter ensemble. Alors voilà. Quand on se trompe de mesure, normalement, l'album, son tuto, il est dans cette taille-là. C'est-à-dire, on y met du 9-13. Peut-être. Attendez, je vais voir. Je ne me rappelle plus du 9-13. Alors, ça, c'est la taille d'origine. Et ça, c'est la taille quand on se trompe, qu'on ne fait pas attention aux mesures. Voilà. Donc, eh bien, je vous en présente deux. D'abord, celui aux mesures données dans le tuto. Donc là, j'ai collé donc des découpes que j'ai retentées avec des petites perles. Pareil ici, je ne sais pas si vous les voyez, les petites perles. Avec la lumière, c'est pas évident. Et toujours dans le style vintage. J'adore ce style. Donc on l'ouvre. Donc une photo. Alors là, le 10-13, le 9-13, il rentre. Voilà. Pour la coller, la photo, il faut vraiment se mettre un petit peu sur la dentelle. Voilà. Ça en fait une, deux, trois. Là, on a notre petit ange avec son bouquet de roses. Ça se présente en fin de compte comme ça ouvert. Donc ça en fait 3, 4, 5, 6 et là 7, 8, 9. Voilà, 9 photos. C'est, je trouve, c'est idéal pour un tout petit cadeau. Ça se met dans un sac, ça fait plaisir. Hein, juste pour envoyer un souvenir à mamie, à maman, aux oncles, aux tantes, voilà. Et donc ça, c'est le même, mais avec d'autres mesures. En fin de compte, j'ai pas coupé le papier. Donc là, eh ben, j'ai mis du glossy accent. Je sais pas si ça se voit vraiment. Voilà, comme ça, là, vous le voyez, pour faire ressortir les roses. J'ai collé des peel off, peel on. Je sais pas comment ça se dit. C'est des autocollants qui se vendent par planche. Alors, là, j'ai mis les petites découpes. Je ne sais pas comment. Ah, voilà, avec une petite perle. Ici et ici. Donc là, c'est pareil, hein. Une photo. Deux. Trois. Là, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis un tag dedans pour faire un marque-page. Là, le même système que tout à l'heure, donc ça fait trois photos. Et oui, dans celui-là, j'étais obligée de faire la pochette. Alors, attendez, voilà. S'il était tellement grand. Dans le petit, on ne fait pas de pochette. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, l'idée de la pochette. Et là, pareil, trois photos ici. Là, j'ai mis une bande de petits strass. Voilà. Et derrière. Comme l'indiquait Scraplease, c'est minimaliste, mais je trouve que ça fait son effet. Voilà, j'espère qu'ils vous auront plu. S'il vous plaît, si c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air. Cela permettra à YouTube de mieux référencer mes vidéos pour qu'elles soient proposées et vues par un plus grand nombre de personnes. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.